messieurs, dames, on va faire un point sur l'actualité figurines, des figurines qui sont déjà parues dans l'archipel, mais qui paraîtront également un peu plus tard au pays du soleil levant. Il y a aussi des figurines qui arrivent par chez vous, on va faire un point sur ces joujoux-là, qui sont présentés, exhibés, pour ne pas changer, sur le site Dragon Ball officiel avec la traduction marrante en français. On va passer directement au gros plan, mais regarde-moi. On va commencer avec la nouvelle figurine Clear Eyes, bientôt disponible chez Crown Games. On parle d'une figurine que je vous ai déjà montrée, que je vous ai déjà présentée dans une vidéo adéquate où il y avait le produit définitif à la Jump Festa et mon avis est assez négatif globalement parce que je trouve que en termes de proportion, en termes de carrure, en termes de modélisation et surtout cette gueule de Chucky, je ne suis pas fan. Je ne suis clairement pas fan. Allez, le petit blabla habituel, le légendaire guerrier Super Saiyan Goku arrive dans Clear Eyes, la série qui utilise magistralement des pièces transparentes pour faire ressortir la génialité des personnages emblématiques de Dragon Ball. Je trouve l'idée pourrie. Je trouve l'idée pourrie parce que quand une pièce est transparente, quand les textures sont transparentes, on peut voir les jointures, on peut voir les emboîtements, on peut voir plein de petits défauts comme ça dans les figurines et je trouve ça pas joli. Et en plus, si tu rajoutes une petite lumière derrière pour avoir cet effet un peu coloré, transparent, et tu vois vraiment très bien les emboîtements, les machins, et ça je trouve ça moche. Je trouve ça très moche. Par contre dans les Clear Eyes, il peut y avoir quelques perles, quelques figurines plutôt bien réalisées, qui sont ensuite détournées par des artistes, qui sont repeintes pour nous proposer des figurines vraiment très jolies. Mais là, là malheureusement, quand la modélisation là, de tête de Chucky, voilà, ça ne le fait pas, bah, malheureusement, ça ne donne pas envie de craquer. Rendez votre collection encore plus impressionnante en utilisant un éclairage artificiel et naturel. Pardon ? Donc je mets une lumière et je mets une autre lumière. La lumière du soleil, mais la nuit je fais comment ? J'en sais rien. Pour faire ressortir cette figurine. Et en plus, avec la lumière, ça fait fondre le plastique. Ah oui, au cas où, faites attention. J'ai eu des retours de votre côté. Marty, j'ai mis la lumière, le machin, l'ampoule a chauffé tellement que le dos a fondu. Oui, bah, fais attention mon ami. C'est quand même chaud. Ne manquez pas votre chance de gagner cette exclusivité de jeu de grue. Jeu de grue. Ce site contient des traductions automatiques. 15e volet de la série Solid Edgeworks The Shutsudin arrive sur Crad Game. Alors, pareil, alors Solid Edgeworks est une gamme, pour ceux qui n'ont pas suivi, qui s'est bonifiée avec le temps. C'est même aujourd'hui une référence tellement il y a des figurines monstrueuses, bien pensées, bien réalisées. Et surtout, on nous propose des personnages qu'on ne voit pas forcément ailleurs. Je pense aux Trunks du film Bojack. Des piccolos de dingue. Et il y a un Freezer qui déboule. Et pareil, je le trouve pas foufou pour l'avoir vu de mes yeux, le produit définitif. Voilà, j'ai l'impression de voir un vieux Freezer avec des rides. Pas très joli. Avec une peinture qui est pas très folle, également. Solid Edgeworks, Shutsudin. On dirait que je suis bourré. Et la série de figurines qui met vraiment l'avantage dans les figurines. C'est dur, hein. Et la série de figurines qui met vraiment l'avantage dans les figurines. Eh ma gueule. Dans vos guerriers préférés Dragon Ball, voilà. Pour le 15e opus de la série, l'empereur de l'espace Frieza, rejoint la mêlée. Il s'agit d'une exclusivité du centre d'attraction, alors ne manquez pas votre chance de gagner ce prix incroyable. Oui, exclusivité, oui, oui, c'est vendu partout après, un Bandai. Fais pas genre, oui, je vois rien. Non, non, c'est pas vendu ensuite en haut détail. Oui, 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 bien sûr. Une nouvelle figurine Blood of Science arrive chez Crane Games. Alors Crane Games, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est les UFO Catchers, hein, les machines à pince. Voilà. Alors il s'agit de la Bourbro. La Bourbro n'est pas si dégueulasse. La Bourbro, pour l'avoir vue, ça va, ça reste propre. On a eu des figurines bien meilleures que ça, mais globalement, l'aspect clinquant, brillant au niveau des cheveux, la modélisation et tout, elle est propre. Encore une fois, vous avez les vidéos hein, sur la chaîne. Super Saiyan Broly est là pour une apparition légendaire dans la série Blood of Science. Vous ne pouvez obtenir cette figurine, cette superbe figurine, qu'en guise de prix lors des jeux de grue. Alors ne manquez pas votre chance d'en mettre la main. Oui, je veux mettre la main. Allez, on va parler un peu de Dragon Stars. Ah, je vous dis, il y a des figurines qui arrivent aussi par chez vous. Et pour les avoir vues en rayon, je trouve ça pas si dégueulasse. Pour les enfants, et j'ai bien dit pour les enfants, hein, nous on vient de loin. Les enfants des années 90, on revient de très très loin. Je me souviens encore des Battle Collection, je me souviens des figurines de mer de AB. Franchement, avoir ce type de figurine en rayon, je trouve ça génial aujourd'hui. Voilà.
Alors, on a du Superboo. Superboo arrive dans la série de figurines de 6,5 pouces Dragon Stars. Fais voir, on va ouvrir un peu tout ça. Oh, je peux pas ouvrir la figurine. Hop là, est-ce que je peux ouvrir l'image au moins? Juste l'image. Voilà. Bon, certes, il a un cou démesuré. Il a une tête un peu chelou. Il y a des articulations. Et surtout, il a un slip où les robignoles pendouillent. Mais bon, pour faire mumuse avec, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Cette nouvelle figurine impressionnante sera mise en vente décembre, fin décembre, en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie, et en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Il y a beaucoup de « et ». Faut mettre des virgules. Ah, là, elle est pas mal. Putain, là, elle est pas mal. Voilà, là, ça rend mieux. Ah, là, un peu plus de style, là, je trouve. Comme quoi, d'une image à une autre, là, la photo, elle rend un peu plus hommage au produit. Je trouve ça pas si dégoûtant, voilà. Hein, malgré son slip et les robignoles qui pendouillent. Assurez-vous de bien regarder, d'apprécier tous les détails de la boîte. Faut regarder la boîte. T'achètes la... Regarde la boîte. Qui présente une illustration créée spécialement pour cette figurine. Ah bon? D'accord. Attention, cette figurine ne sera pas disponible au Japon, non, jure. Mais si vous êtes intéressé, vous pouvez consulter tous les détails de la page Instagram officielle de Dragon Star ci-dessous. Oui, faut en être assez intéressé. Donc dans les 21$, dans ces eaux-là, pour ne pas changer. Gohan Beast de Dragon Ball Super Super Heroes se lance dans la série Limited Breaker. Alors ça, c'est les grandes figurines que vous avez par chez vous. Et pareil, c'est rigolo. Ça me fait penser aux vieux produits qu'on avait dans nos rayons, voilà. Gohan Beast du film à succès Dragon Ball Super Super Hero arrive sous la forme d'une figurine géante de 12 pouces de la série Limited Breaker. Ah, je veux mourir. Aidez-moi. Oh putain, non, les cheveux sont trop bien faits pour que ce soit un Beast. C'est censé être allongé, pointu. Là, c'est trop bien proportionné. On dirait un Super Saiyan 2 adulte. À limite, franchement, tu l'es pas en jaune. C'est parfait. T'as un Super Saiyan 2 adulte. Cette figurine sera mise en vente en Amérique du Nord, en Europe et en Océanie, en Amérique du Nord, 2023. Là, on a la boboîte. On va voir un petit peu la boboîte. Admirons la boboîte. Oh, la boboîte, elle est belle. Bah écoutez, ça reste rigolo. Ça reste rigolo pour faire des batailles dans le sable, dans le bac à sable. Voilà. Mais notez que ce produit ne sera pas disponible au Japon. Non, jure. Jure, mon pote. Dans les 17$. Ensuite, on a le Super Saiyan Gotenks arrive dans le pack power-up de la série Dragon Stars. Et pareil, je trouve ça génial. Hop là, on va ouvrir. Non, c'est mignon. En plus, il y a les fantômes. Par contre, les fantômes sont bien foutus. Pardon. Quand tu collectionnes des figurines et que tu veux bien des petits fantômes comme ça à mettre en vitrine, plutôt bien réalisé, c'est particulier, je peux craquer. Sincèrement, là, je suis en train de réfléchir. Les petits fantômes sont bien foutus, bordel. Bon, le Gotenks, c'est rigolo. Bon, il a un petit côté magie, mais bon, on s'en fout, encore une fois, pour les gamins, c'est le top. Par contre, pour les collectionneurs, on a une bonne alternative pour se choper des fantômes, là. Ça, c'est cool. Le Super Saiyan Gotenks est désormais disponible dans la figurine Dragon Star Series Power Up Pack. Ce superbe pack sera mis en vente fin décembre en Amérique du Nord. Donc chez nous, hein. Gotenks est livré avec des pièces à effet d'aura, super cool, et même ses copains fantômes de marque. Ah là, on les voit, mais pas trop bien. Ah, ils sont trop... L'éclairage est trop piquant à l'œil, là. J'aurais bien voulu voir quelques détails, mais ça a l'air propre, hein. Ça a l'air super propre. Alors, procurez-vous la figurine Superboo de la série Machin Mes Couilles pour recréer des scènes de leur bataille emblématique de Mes Couilles et sans limite. Voilà. Ah, voilà. Là, on a un meilleur aperçu. Il est pas dégueulasse, le Gotenks. Putain, les fantômes ont l'air propre. Ils ont l'air super propre. Ah, je crois que je les veux. Hein. Possible que je craque. Ah bah, franchement, des petits fantômes, possible que je craque. En plus, j'ai le Gotenks qu'il faut. J'ai tout en tête, là. N'oubliez pas de consulter l'illustration de l'emballage dessiné spécialement pour cette figurine. Merci. Dans les 27 balles, ok. Bah écoutez, ça a l'air clean. La nouvelle figurine de la série d'Immateria fait irruption dans les jeux de grue au Japon. Alors, on a le Likum en train de vomir toutes ses tripes. Elle est sympathique. Hein. Franchement, pour l'avoir vu, encore une fois, vous avez la vidéo.
Juste l'effet qui est un peu dégueulasse, mais globalement, franchement, Varrock, bravo, je te fais turlute pour pas changer. Rikum fait sa première apparition dans la série G-Materia. Des pièces semi-transparentes à effet scintillant ont été utilisées pour recréer la technique que ce terrifiant meurtrier a déchaîné sur Vegeta, le Rikum Laser Gun. Cette figurine n'est disponible que sous forme de prix de jeu de grue, alors ne manquez pas votre chance d'en gagner une. Ok, ok. Et ensuite, on a ça, les Matiboké. Alors, qu'est-ce que les Matiboké? Les Matiboké, ce sont, on en voit souvent dans l'univers des gachapons, où en fait, ils prennent des champignons, des chats, des chiens, des animaux, des arbres, des plantes, en train de bouder sur le cul et en train de faire une gueule. On l'a déjà vu ça dans les vidéos vlog gachapons. Voilà, pour vous montrer un petit peu, regardez. Regardez, les animaux assis sur le cul, en train de bouder. Voilà, mais ils font ça aussi avec des plantes. Des plantes, des champignons, le Matiboké, c'est quand même assez délirant. Bon bref, vous avez compris, le délire, c'est on pose notre cul, regardez les légumes, voilà, en train de bouder dans notre coin. Et bien du coup, ils nous sortent une série Dragon Ball, pareil, avec le cul posé au sol, grosse tête, petit corps, en SD. Et puis c'est parti, Matiboké Dragon Ball débarque en magasin, cette adorable nouvelle série sera disponible dans tout le Japon à partir de la 3ème semaine de janvier 2024, c'est pas encore disponible. Pour ce nouvel opus, des personnages emblématiques de Dragon Ball rejoignent la populaire série de jouets d'entente Matiboké. La gamme comprend 4 super guerriers debout, pourquoi debout? Non, ils sont pas debout. Et puis on a quoi? Goku, Vegeta, Krillin, Yamcha. Alors oui, ça peut porter à confusion parce que nous, Super Saiyan, c'est Super Guerrier en français. Mais bon, il parle d'un guerrier extraordinaire, voilà, les guerriers. Goku et ses amis vous attendent dans les tirés dans un coin gachapon. What the fuck? Dans les tirés dans un coin gachapon près de chez vous. Alors, tentez votre chance dès aujourd'hui. C'est génial, il signale à chaque fois, oui, au Japon, c'est pas disponible. Mais il devrait préciser, mais c'est pas disponible en France, en Europe. Hein? Voilà, ça marche aussi dans les deux sens, mon coco. Donc, Matiboké, ça coûte 400 yens. Et c'est ultra mignon. Je sais pas ce que vous en pensez, ils ont vraiment des têtes de cul. Voilà. Le Yamcha, le Tatati, le Tatata. Alors, regardez le petit détail de la mort. Alors, est-ce que je peux ouvrir l'image? Oui. Regardez, il a un trou ici sur son armure. Ça vous rappelle quelque chose, bien sûr. Regarde, quand tu le tournes, on voit bien son cul. Oui, oui, je vois bien le cul de tout le monde. Donc voilà, les Matiboké, c'est du what the fuck total, c'est ultra mignon pour ceux qui aiment bien. 3ème semaine de janvier au Japon, 400 yens le produit, donc plus cher pour vous. Bah oui, hein, parce que tu passes par l'import. Voilà les amis, on a fait le tour de l'actualité figurine des Dragon Stars, des figurines jeux de grue, des figurines gachapon Matiboké. Et puis je vous laisse tranquille, n'hésitez pas à vous exprimer dans les commentaires pour ne pas changer. Est-ce que ça vous attire? Est-ce que vous allez craquer pour le Matiboké? Non? Bon, bah tant pis. Bah je vous laisse tranquille, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook, Twitch et TikTok, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!